Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment insérer un PDF dans un article WordPress, ou plus précisément un lien qui, quand on clique dessus, va ouvrir donc un PDF dans un nouvel onglet. Donc, pour ce faire, j'ai fait un article de test, on va dire. Donc j'ai mis du faux texte tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez, j'avais fait un premier test, donc là on va le supprimer. Et donc on va faire la même chose. Donc, en fait, ça se passe exactement comme pour mettre une image dans du texte. Voilà, comme ici. Donc vous positionnez le curseur là où vous souhaitez l'afficher. Donc là moi je le laisse en fin de texte centré. Mais on pourrait le mettre ailleurs, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous cliquez sur ajouter un média, donc comme pour une image. Vous envoyez ou cliquez sur envoyer des fichiers, choisir des fichiers, et là donc vous allez choisir votre fichier, sauf qu'à la place de choisir une image, vous allez choisir un PDF. Donc moi j'avais préparé le fichier à télécharger histoire de gagner du temps. Donc sinon vous allez choisir dans le dossier sur votre disque dur ou votre clé USB ou n'importe quel autre support relié à votre PC. Donc, vous double-cliquez dessus. Le document se charge. Donc là, moi, il y a plusieurs pages, donc, ça va mettre un petit peu de temps quand même. Mais on va venir, on va y venir. Donc, on va le laisser faire. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Moi, je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autres documents moins lourds que je pouvais afficher sans transgresser les droits d'auteur ou autres. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Allez, c'est bon, on en a à peu près les deux tiers. Voilà, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, en espérant que ce ne soit pas écrasé, c'est remplir le titre. Qui va s'afficher sur votre page. Donc là je vais mettre mon titre pour l'exemple. Mais vous, je vous invite à mettre un titre explicite pour vos visiteurs, histoire qu'ils sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils cliquent sur le lien. Voilà. Ah oui, donc ça j'en avais pas peur, c'est pour ça que j'avais pas pris les devants. Mais voilà. En fait, le titre, il faut l'ajouter après. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on clique insérer dans l'article. Donc, vous voyez qu'on retrouve mon titre. Et donc, juste ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire ouvrir dans une autre page. Hop, je suis peut-être allé un peu vite. J'ai supprimé mon lien. Non, voilà. Juste que je sélectionne tout. Donc, modifier, option du lien. Et donc, moi, je mets ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, ça, vous êtes pas obligé, mais bon, moi j'aime bien que ça s'ouvre dans une autre page. Comme ça, quand il ferme le PDF, ils reviennent sur votre site. Voilà, donc maintenant on va aller voir l'aperçu. Voilà, on retrouve notre article avec le lien vers le PDF. Et si on clique dessus, voilà, le PDF s'ouvre dans une nouvelle fenêtre du navigateur du visiteur. Et voilà. Et donc, vous avez votre PDF. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de pages. C'est pour ça qu'il a mis aussi longtemps à se charger. Eh bien, écoutez, je vous embête pas plus longtemps puisque ce tuto est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao, ciao!